L'Occident entretient une relation complexe, voire conflictuelle avec le robot autonome alors que celui-ci ne fait pas encore partie de son quotidien. On annonce le robot destructeur d'emplois. On en fait même un cheval de Troie qui introduirait au plus intime de nos foyers l'intelligence artificielle. Les promoteurs des robots essayent de leur redorer le blason en les annonçant collaboratifs, mais rien n'y fait. L'Europe reste suspicieuse à l'égard de ces machines autonomes. Dans le même temps, le Japon et l'Asie en général ne semblent pas percevoir les craintes occidentales. Dans le Japon shintoïste, il n'y a pas de différence entre le vivant et l'inanimé. Toute chose étant égale dans la distribution du kami, la notion de la présence des forces vitales universellement répandue dans la nature. Ainsi, culturellement, l'inanimé animé a toujours été très bien accepté au Japon. D'ailleurs, dès le XVIIe siècle, les karakuri, ces automates très perfectionnés, étaient très répandus, très à la mode, au pays du soleil levant. Ceci explique en partie pourquoi est-ce que l'Europe pourrait bien être en train de perdre la guerre commerciale de la robotique. Une caractéristique de cette robotique, objet de fascination en Asie, attise encore plus la suspicion en Europe. Il s'agit de l'anthropomorphisme, l'apparence humaine que peut revêtir un robot. Étrange réaction, d'autant que l'anthropomorphisme n'est pas l'unique solution. Dans les habitats de demain, on pourrait très bien imaginer une robotique intégrée, invisible de ses occupants, mais qui assurerait le fonctionnement optimum d'un domicile devenu intelligent au-delà des habituels systèmes de gestion, de l'éclairage, de la climatisation ou de la sonorisation. Cette robotique intégrée assurerait aussi bien la gestion des stocks de la cuisine que la confection de repas équilibrés pour l'ensemble de la famille. Elle procurerait à chacun un domicile sain et bien rangé avec des systèmes de lingerie automatiques. Elle garantirait un accès sécurisé à la porte du foyer ainsi que la surveillance de l'ensemble du domicile. En évitant une apparence trop humaine, le robot pourrait donc bien trouver sa place économique dans les entreprises occidentales. Dès aujourd'hui, dans le milieu des travaux publics, on commence à voir apparaître des outils collaboratifs qui assistent les humains dans les tâches les plus pénibles, réduisant d'autant les troubles de risque musculo-squelettique. Dans le même esprit, et pour le plus grand bien des personnes handicapées, l'antique fauteuil roulant pourrait bien vivre ces dernières années. En effet, et bien qu'avec encore un petit peu de développement, des exosquelettes conçus à la base pour assister le soldat pourraient bien devenir le meilleur ami des personnes à mobilité réduite, qu'elles soient handicapées, qu'elles soient personnes âgées, qu'elles soient personnes entravées dans leurs mouvements suite à une opération chirurgicale, à un accident. Ces exosquelettes, au gré des activités du jour, sauront se faire fauteuil ou bien assistant de vie dans les gestes les plus simples ou les plus intimes comme la toilette. Ces machines redonneront de l'indépendance pour aller tout simplement se promener ou bien faire ses courses. Mais alors, cela veut-il dire qu'en Europe, le robot sera privé de toute forme d'anthropomorphisme? En revenant à la question de l'habitat, près de 80% de ceux qui seront nécessaires au-delà de 2050 sont d'ores et déjà bâtis. Dans ces conditions, la robotique anthropomorphe apparaît soudainement comme une solution domotique pertinente. Un robot anthropomorphe saura utiliser l'ensemble des installations, des équipements conçus pour les êtres humains. À moindre coût, ces majordomes artificiels rendront intelligents même les habitats les plus anciens. Et puis notre industrie saura faire aimer les machines anthropomorphes, celles du sexe. Fini le sextoy, vive l'androïde, vive la gynoïde, nous promettent les fabricants de ces machines censées être intelligentes et sachant répondre aux goûts et aux attentes de chacune et de chacun. Alors le robot, ami ou ennemi ? Et demain, quelle réponse apportera à cette question un enfant qui aura joué avec cette machine, qui peut-être même aura passé plus de temps avec elle qu'avec ses parents biologiques au point qu'on pourra dire qu'il aura été éduqué par elle. 1. Demain, le robot ami ou ennemi ?